Alors, King Pierre, faites entrer notre invité, s'il vous plaît. Le plaisir is mine, as usual, Wesley Magloire. S'il fallait décrire notre hôte de ce soir, je dirais les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Fin des citations. Elle est d'ailleurs du B2O, Booba. Notre hôte de ce soir écrit son histoire avec le hip-hop, le rap Khmer 237 depuis les années 99. Si je vous disais Anthony Tonenguo, vous n'allez certainement pas vous retrouver, mais si je vous disais Magasco de Baminda Boy, chacun et chacune d'entre vous va se retrouver soit à fredonner un couplet ou encore même l'un de ses titres phares, notamment si, je vous le disais, permettez encore cette autologie, Wulubamba, vous me répondez quoi? Vous êtes bel et bien dans la symphonie, sa voix puissante et récapable, a conduit son talent et surtout a réalisé son tout premier projet solo aux côtés de DJ Pazo. Il va alors en résulter des tubes Baminda Boy, Take Me, Take You to the Sky. Une particularité, c'est la fusion du dancehall, du reggae, du hip-hop qu'il associe au genre, surtout un style qui est très dansant. Et ce n'est pas Siamix, notre réalisateur, qui va me dire le contraire, puisqu'il arrive très souvent d'écouter ses chansons en off, notamment le titre qui a mis tout le monde d'accord. Beaucoup d'entre vous ne se rappellent certainement pas de sa collaboration avec Jovi. Pourtant, c'était une chanson hit. Et puis, derrière ces collaborations, ça n'est suivi Pete Bacardi, Jovi, Crotal ou encore même des succès. Avec lui, c'est des succès, c'est des albums, c'est du Golden Boy en 2017, c'est Hit en septembre 2019, c'est Rod Gold, discographiquement parlant, Magasco, c'est des singles aussi dansants que les précédents, passant de Love It, de Too Much, de Fine Boy, de Kumba Market, de Nyan Nyan, de One by One, de No Man No Wo ou encore même de Po Favor côté des DJ Morgan. Je préfère m'arrêter là parce que la liste est très longue. DC à la poche, diplôme d'histoire à la poche de Yaoundé, un connaissance de la vente à la sauvette, je préfère insister là-dessus. Magasco a su établir sa stratégie avec sa sagesse. Nous baignons tous dans le genre. D'ailleurs, il nous rappelle alors aux côtés de Crotal, Idify, Magari. Et depuis un bon bout, il cherche toujours ce Gary, un procédé narratif qu'il utilise dans ses chansons qui font de lui cet artiste-là qui très certainement a une lumière. C'est certainement pourquoi il m'a dit « Pass me the light ». Hey, Magasco, Baminda Boy, before pass me the light, allow me to wish you all on the behalf of the two world team, welcome to the GDC, Baminda Boy. Yes, so, mais tu as fait comment pour savoir toute l'information là? I find Magari too. Même si on me demande, je ne peux pas, I'm not sure I would be able to say all that. But thank Magasco, you very bonsoir. Much. Bonsoir à bon tout arrivée. Le monde. I'm happy to be here. Mais est-ce que vous n'actualisez pas votre biographie sur les réseaux? Ah. Il n'y a pas le temps. Même pas le temps. Est-ce que c'est déjà des choses. Parfois, il faut laisser aux gens de faire leur recherche, ouais. de parler pour toi. Parce que parfois, tu peux parler, ça va être que nous on connaît déjà notre pays. Si tu parles, on va te dire que tu es en train de te char. Ouais.